chiant, qu'est-ce que t'en penses? C'est trop calme, trop facile. On n'a pas le choix. Banner, Wilson, sur le flanc droit et gauche, l'église, maniez-vous. Chicho, tu viens avec moi direction la place. Attention, on sera à découvert. Allez! Sûr, ils sont là-dedans. Va jeter un coup d'œil. Pourquoi c'est toujours le black de service qui va au casse-pipe? Vas-y, toi. C'est toi le toubib. Il y a peut-être des blessés là-bas. Ouais, c'est ça. Se casse. Personne à l'intérieur. Ouais, on continue. Devant ou derrière? On s'en fout. Ils doivent pas être à l'intérieur. Ils nous tomberont dessus quand on sortira. Il était temps que vous arriviez. Tu sais bien qu'on ferait tout pour toi, Murph. Où est le député? À côté. Balleur! Il lui faut des antibiotiques. Et le reste du groupe? Il ne reste que nous. Et dans le bar? Tous morts. Qui était-il? La résistance locale. Il y a eu des coups de feu hier, on aurait dit une exécution. Ça va aller, monsieur. On est prêt. Allez, on rentre à la maison. On se casse! Les fumiers nous attendaient! Ne les laissez pas s'échapper! Allez, bougez-vous! Bougez-vous! Avancez, bordel! Munitions, munitions! T'as prévu des renforts? Je contacte l'hélico. Siri, envoie la cavalerie. Ça va être à toi de jouer, Hollywood. T'es prêt? Quand tu veux. Amenez-vous. Oh. Allez! Ils sont là!
Dégagez cette place, bordel! Maniez-vous, le tue! Maniez-vous, dégagez, dégagez! Touchez-vous! Pierre de couverture! Couvre-moi! Bougez-vous! Allez, avancez! Accouez-vous! Allez, avancez, avancez! Dégagez, allez! Ah! Amenez-vous! Tire-toi! Sors de là, arrive! Mène ton cul! Yves! Sur ta gauche! Allez, mène-toi! J'arrive! Ah! Yves! Ah! Allez-y, tirez-vous! Il est touché, il n'y arrivera pas! Tirez-vous! Les autres ne peuvent rien faire, allez, décolle! Ah! Toujours ce cauchemar. Comme d'habitude. Tu ne peux pas retourner le chercher. Personne n'y arriverait. Bon. Je sais pas si je pourrais refaire ça. Sauter d'un hélicoptère pour l'oncle Sam. Ah oui? Tu ferais quoi à la place? Je sais pas. Peut-être devenir gadget professionnel. Va au boulot, soldat. J'ai du travail à faire si tu veux qu'on donne cette fête ce soir. Hollywood, il y a un croque-mitaine dans ton secteur. Moi, je me tirerai de là. Je fais ce que je peux. Où es-tu, Ren? Je te colle au train, Hollywood. Tu me sens pas, là? Arrête de bouger. Je sais bien qu'à Hollywood, on aime encaisser par derrière. Surveille ton langage, Rep. Bien reçu, monsieur. À nous deux, espèce d'invertis. J'ai plus le contact visuel. Bordel, où est-ce qu'il est passé? Dis adieu à Hollywood. Bien visé, Hollywood. Rends-moi service, tu veux? Appelle mes parents. Dis-leur que je suis tombé en flammes et mort en héros. Ça va, les gars. On rentre au bercail. Reçu, monsieur. Ce gosse est un sacré pilote. Le meilleur de la compagnie, c'est. Pourtant, vous ne l'aimez pas parce que vous le trouvez un peu trop arrogant. C'est exact. Son insolence me déplaît. Nous avons besoin de lui. Notre groupe de Rangers vient de recevoir un chasseur furtif, F-17. Et Hollywood est le seul pilote de la base capable de maîtriser un tel appareil. Pourquoi avons-nous besoin d'un chasseur furtif?
Cet appareil a été modifié pour nos besoins. Il y a plus d'espace cargo pour transporter des troupes. Félicitations, Capitaine Murphy. Vous commanderez la première unité aéroportée des Rangers à bord d'un furtif. Des Rangers dans un furtif. Je vous demande pas de faire du lèche-botte à ce pilote, mais ce serait bien de vous entendre avec. Formidable. Hé, Kelly est là? C'est pour moi? Et attention, c'est lourd! Comment est-ce? Trop épicé. Il fait toujours trop épicé. Ma cuisine est trop épicée. Oui, c'est la meilleure. Et tu m'as jamais dit ça? C'est vrai que c'est lourd. Alors, sergent, comment va ta ravissante femme? Elle a le don de m'irriter. Tu veux une bière? Oui, je te souhaite. C'est bon, allez. Et voilà, sergent. Super acrobatie aérienne aujourd'hui. Gentil de l'avoir remarqué. Hé! Hey, à moi, on ne dit rien, Tchitch. Au fait, j'ai envoyé des fleurs à tes vieux. Écoute, le Sud prendra sa revanche. C'est ça. Waouh! Laisse-moi deviner, c'est le fils de ton mari. Eh oui, c'est ça. Désolé de rater tes funérailles, Red, mais je dois aller à Hollywood rencontrer mon agent. Avec un titre de Top Gun sur mon CV, je pense devenir une vraie star. Ça me fait de la peine de te dire ça, Banane. Mais t'as pas l'envergure pour être une star. Mais tu sais quoi? T'as une si jolie bouche qu'à Tchitch et moi. On serait pas contre qu'elle nous rende service. Vous reprenez un verre? Merci, pour moi ça ira, capitaine. Mais je goûterais volontiers un peu de chili de cette vieille fripouille. Tu m'accompagnes ou quoi? Ah, tu vas adorer ça, je l'ai fait très doux. Même les bébés peuvent en manger, c'est pour dire. Oh, je sens que ça va m'arracher les tripes. Mais non, c'est excellent pour le transit. Tu dois être heureux après ton exploit aujourd'hui. Je n'ai fait que mon travail. Sois pas si modeste. Tu es un bon pilote, je respecte ça. Franchement, j'en ai rien à foutre. Tu m'aimes pas beaucoup, n'est-ce pas? Je fais mon boulot, j'obéis aux ordres et rien ne m'oblige à être votre ami. Alors qu'est-ce que tu fous chez moi? Hey. Tu veux un peu de café? Non, Shay, ça va aller. Je suis désolé, Madame Murphy. Hé, hey, capitaine! Un tour de passe-passe? Si tu veux, t'as de l'argent à perdre? Délicieux ce truc. Bon, dégageons tout ça. Tu viens? Oh, ce chili, c'est la guerre. Et pour moi, ça me va. On fait ça sur un tour. Un coup, je te vois, un coup, je te vois. Allons-y, les gars, mettez vos mises. Fais-moi le premier. Allez, capitaine. Okay. Et pour Hollywood, t'en es? Tiens-moi bien ça. Sûr que j'en suis. Allez, on y va. Il faudrait peut-être envoyer la monnaie, capitaine. Merci. Et vous, les filles? 10 pour Hollywood, 10 billets pour Hollywood. Attention, les gars, on passe aux choses sérieuses maintenant. Tu vois cette pièce, chérie? Je suis sûr que ton vieux va la trouver. C'est facile. Regardez bien, elle est à gauche, elle passe à droite. Je fais un petit tour et tiens, elle passe devant, derrière, dans l'autre sens. Un coup par là, stop. Où est la pièce? Allez, allez! C'était trop facile, les gars! Désolé, capitaine. On remet ça? Je passe. T'as vu la classe? Est-ce que t'aurais pas trop bu hier soir, capitaine? Un pack de 6 bières et une bouteille de bourbon. Qu'est-ce que t'as pour moi? Ça arrive des renseignements. On dirait que Salvatore a replongé dans les cartels de la drogue. En Amérique centrale, à San Cedros, carrément. Le village est désert. La plupart des villageois sont partis dans le maquis. Ils se servent de ceux qui restent comme esclaves. Ils se servent aussi de l'armée de l'air pour transporter de grosses quantités de cocaïne. Il a installé son labo au milieu de la base aérienne. Et la plupart du stock est placé dans des hangars désaffectés.
C'est la plus grosse opération de narcotiques d'Amérique centrale depuis les années 80. Retour vers le futur. Tu sais quoi, capitaine? Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner là-bas pour buter ce fumier. Parfaitement d'accord là-dessus. Quelqu'un d'autre a vu ces photos? Ouais. Et davantage. Nos services ont reçu ça la semaine dernière. Lieutenant David Rifkin, Ranger de l'armée des États-Unis, 10-25-12, 21-85, né le 26 février 1960. Mais toi, recule un peu, qu'il voit comment on traite ces salauds. Oh, salé Yankees. Vas-y, tu peux y aller, montre-leur. Vous voulez en voir plus? Non. Salvatore veut faire un échange. Riff contre un trafiquant qu'on détient en Californie. Mais on va refuser. Le gouvernement ne négocie pas avec les cartels de la drogue. Et spécialement quand il s'agit d'un simple ranger qui appartient à une unité d'élite qui n'est même pas officielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va aller le chercher. Capitaine Murphy, je ne veux pas risquer des vies et du matériel pour une mission de sauvetage aussi malvenue qu'illégale. Quand il s'agit d'un seul soldat, il y a des considérations d'ordre politique. Sauf le respect que je vous dois, monsieur, ce n'est pas la première fois. Vous nous avez montré cette cassette, c'est pour une raison. Rassemblez vos hommes dans le hangar 4, à 19h. Bien, monsieur. On dirait que tu vas réaliser ton vœu, Cheech. Le furtif F-117C sera utilisé pour nous déposer sur une piste désaffectée à 6 km du village. Les nouvelles capacités de l'appareil nous permettront de survoler la région sans être détectés. Je voudrais vous présenter notre infirmier, le sergent Phillips. Heureux de me joindre à vous. Le lieutenant Andrews pilotera le furtif à cause de sa grande expérience sur ce type d'appareil. Désolé, Reb. Pas de problème, monsieur. Comment fait-on pour les renforts? Reb, tu piloteras un F-14 de la Navy depuis le porte-avions Okla. Le lieutenant Randall sera ton copilote. Heureux d'être ton auxiliaire. Dès que tu seras dans le secteur aérien de San Cedros, tu engageras le combat pour distraire l'aviation ennemie. Une fois terminé, tu soutiendras la mission au sol, ok? Bien, monsieur. On compte sur toi, Reb. Ne nous laisse pas tomber. N'ayez crainte. Une fois la mission terminée, qu'est-ce qu'on fait de Riff? Nous voulons détruire la base aérienne et que l'opération de Salvatore soit définitivement anéantie. C'est le motif officiel de la mission. Elle est cruciale. L'enjeu est important. Nous avons tout tenté par les voies diplomatiques, sans succès. Nous avons même failli perdre un ambassadeur. Certains reviendront de cette mission, d'autres pas. Il n'y a aucun autre moyen qui soit honnête ou légal. Parfait. Nous sommes des Rangers, monsieur, et légal ou pas, on se fera une joie de lui en foutre plein son cul. D'accord. Bon, alors écoutez, monsieur, il est temps d'aller vous reposer. Les jours à venir vont être durs. Rampez. Déjà réveillé? Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit à t'écouter ronfler. J'ai reçu les résultats du test hier. D'après le docteur, il n'y a guère de chance. En fait, il n'y a aucun espoir.
demandé beaucoup de temps. Tu vas me tromper pendant mon absence. Peut-être. Tu me raconteras tout en détail. Je ferai faire des photos. Quelqu'un que je connais? Oui, à peu près tous. Capitaine Jack Steven, commandant du Okla. Lieutenant Randall, monsieur. Lieutenant Carter, monsieur. Mais mes amis m'appellent Reb. Les miens m'appellent capitaine. Le colonel Reynolds m'a fait part de détails concernant votre mission, mais il en a dit trop peu. Votre expérience de vol est impressionnante, lieutenant, particulièrement sur un Tomcat, et que vous êtes apte à apponter sur un porte-avions. Pourquoi ne pas avoir confié à un de nos pilotes d'effectuer cette mission? Capitaine, eh bien, voici comment nous voyons les choses. C'est un problème qui concerne nos services, à nous de nous en occuper. Ça ne me suffit pas, lieutenant. Vous pouvez garder vos boniments de camelot, ça ne changera rien en ce qui concerne mon humeur. J'en suis navré, capitaine. La dépêche du colonel Reynolds explique les paramètres de cette opération et la nécessité du secret. Écoutez, je suis juste là pour piloter un de vos Tomcat. Entre nous, je me fous pas mal de la dépêche, lieutenant. On me demande de confier l'un de mes appareils à un pilote pour une opération. Alors, nom de Dieu, j'aimerais savoir pourquoi. Bien, monsieur. Je connais le terrain, je connais les hommes au sol, et je sais piloter un Tomcat mieux que personne. Vous pourriez laisser un pilote de la Navy effectuer cette mission. Mais l'armée a besoin de moi. Meilleure réponse. C'est entendu. Bienvenue sur le Okla, lieutenant. Ah, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez en aucun cas. Reçu 5 sur 5. Toi, Phillips, personne va te tenir la main. Doc, il y a 50 ans, les savants étaient convaincus qu'il était impossible de voler à la vitesse du son. À cette vitesse, ils pensaient que l'appareil heurterait une barrière invisible et qu'il exploserait. Hé! Essayez de ne rien toucher, monsieur. C'est un appareil d'entraînement. Nous sommes sur double commande. Le porte-avions est en position. C'est parfait, sergent. Donnez l'autorisation de décollage au furtif. Furtif, autorisation de décollage immédiat, piste 7B. Bien reçu. Prêt pour le décollage. Thank you.
tour de contrôle. Vous êtes sur la 7B. Roulez en position de décollage. Force du vent 18 nœuds. Visibilité 8 km. Reçu, l'écran fonctionne. Je suis bloqué sur le cap de vol. À vous. Bien sûr, Furby. Autorisation de décollage immédiat. Bonne chance. Terminé. Ça va, Doc? En montée. Prévenez l'autre là. Bien, monsieur. Essai radio, maman. Ici Tom 4, 2, 3, 0. Comment me recevez-vous? Fort et clair, vous êtes sur le cap, restez en position. Contrôle du trafic aérien dans la zone. Je vous conseille de prendre soin de l'appareil, lieutenant. Si vous le cassez, vous le payez. Affirmatif, colonel. Vous enverrez la facture aux Rangers? Je mets les gaz! Bon vent, Army. Allez, Randall, donne-moi le cap. Le cap est 090, distance 180 000. Virage à droite dans 3, 2, 1. Tu prends ton pied, Randall. Attention, lieutenant. Les appareils se dirigent vers le point de rendez-vous. Croyez-vous qu'ils aient une chance? Non, ils n'ont aucune chance. Cependant, ils sont capables de réussir tout de même. J'ai capté un, peut-être deux appareils américains sur l'écran radar. J'ai fait décoller les chasseurs. Essayez de vous détendre, colonel Juarez. Je m'attendais un peu à cette réaction. Levantate! Levantate! Oh non! Nous ne sommes pas débouchés! Nous ne sommes pas débouchés! Morgan. Fais nettoyer tout ça par tes hommes. À combien sommes-nous de l'espace aérien de San Cedros? Environ 10 minutes. Tiens, voilà Reb. Merde, la station radar de San Cedros nous a repérés. Déjà? Il va falloir se mettre au boulot, les gars! On active le système furtif, on passe à la télé! Bien reçu, nous passons en mode furtif. Et maintenant? Ils vont pas tarder à arriver, sois vigilant! Tom 4, 2, 3, 0, présence de 5 appareils ennemis à 11h. Hauteur 15 000 pieds, terminé. Reçu, contrôle d'approche. Où est l'armement sur cet appareil? T'es assis dessus, Doc. Des missiles Maverick, tir à vue, guidage à infrarouge. Imagine! Ça représente l'équivalent de 300 livres de TNT. Du très beau. Pas la boue.
Nouvelle position, 7.0. Ici les forces aériennes de la République de San Cedros. Vous survolez l'espace aérien d'un état dont le vol est interdit. Veuillez vous identifier ou nous allons ouvrir le feu. Il essaie de nous accrocher! Avoir le béga pour toi. Décroche à droite pour sortir de la visée. Je colle toujours aux fesses. Faut que je me dégage de ce connard. Pour moi, c'est bon. J'enclenche le missile. Comme tu veux, Reb. Missile enclenché. Bonne nuit, les petits. 204 prêt à catapulter, autorisation demandée. Aucune intervention, c'est leur affaire. J'espère seulement qu'ils s'en tireront. Autre contact, ils nous collent au cul. Je l'ai en visuel, accroche-toi. On décroche, lieutenant. Je ne fais que le bluffer, Randall. Je suis en train de la jouer fine. Et maintenant, j'abats mon jeu. Il nous colle toujours. Pas pour longtemps. Maintenant. Accroche-toi, Randall. J'espère que vous n'avez pas de terre, lieutenant. À toi de jouer, amigo. Va pour les As! Un autre leur file le train! Il faut intervenir! Concentre-toi sur ta mission, garde le silence radio! Lieutenant, ils vont se faire descendre! Garde ton cap, c'est un ordre! Solo à 8h! Je ne le vois pas! Sur la gauche, rationnons! Je vois rien! Oh merde, il a tiré! J'ai perdu le visuel! On est touché! Arrête les réacteurs, je contrôle plus! Mayday! Randall, prêt pour l'éjection? Éjection! Ah! On a perdu le contact. Tomcat 230230, me recevez-vous? Faut-il envoyer un hélico de récupération d'urgence, capitaine? Négatif. Contactez Wingate, faites un rapport au colonel Reynolds. Entendu, capitaine. On devrait aller les localiser. Non. Nouvelle donnée. Il y a une ancienne piste qu'utilisaient les trafiquants à 7 km de la cible. Une piste d'atterrissage, pourquoi? Mon instinct, lieutenant. Tu perds du temps, fais-le tout de suite. Nouveau cap à l'est. Atterrissage dans 4 minutes. Nous sommes sous le radar. Je désactive le système furtif. On est au sol. Où on va camoufler ce truc? Tu crois vraiment qu'on va nous le piquer pour aller faire un tour? C'est farci de piste abandonnée dans la région. Ils nous trouveront jamais. Ouais. Je ne fais pas confiance à votre instinct sans vous offenser. Locke-là a perdu le contact avec le F-14, colonel. Il pense qu'il s'est écrasé. Dois-je me mettre en rapport avec le capitaine Murph? Il nous contactera s'il a besoin de nous. Allez les gars, allez, on se bouge!
On a peut-être une chance de les récupérer. Salvatore et ses hommes vont passer le secteur au pain fin. Si Reberendal sont encore en vie, ça nous fera gagner du temps. Si c'est pas le cas, tôt ou tard, Salvatore nous trouvera. Donc finissons la mission le plus vite possible. Quoi ? Vous allez les laisser à ces enfoirés ? Je vais obéir aux ordres. Tout comme toi. Allez, on y va. Quel enfoiré. On ne lâche pas un ranger. Si tu fais ce qu'il te dit chaque fois qu'il te le dit, peut-être que tu t'en sortiras vivant. Si toi, tu te fais tuer du gland, ça me gênera pas trop. Mais si tu le fais tuer, ça sera différent. Capiche ? Guyane britannique, de 1884. Si j'arrive à trouver la seconde édition de 98, j'aurai complété la série. Le colonel Juarez a réussi à abattre l'avion américain. Aucun signe du furtif ? J'ai un camion en route pour l'aérodrome. Préservez la santé de l'américain au cas où l'affrontement ne serait pas en notre faveur. Ne soyez pas inquiet pour lui. Détendez-vous un moment. Dites-moi une chose, Morgan. Pourquoi êtes-vous si loyal envers moi ? Ce n'est pas votre pays, ni votre cause. J'ai des avantages substantiels. Ce n'est pas pour l'argent. Vous prenez votre plaisir dans ce genre d'action. Je suis doué pour ça et je ne sais rien faire d'autre. Et vous, comment dormez-vous la nuit ? Moi ? Je suis un businessman. Et ce que j'entreprends sera la première industrie du pays, en dépit de ce que disent les politiciens. Je fais ça pour ma famille, pour mon pays. Un patriote. C'est ça. Un patriote. Vous avez raison, Morgan. Allons voir comment va le prisonnier. Ils nous feront signe, en êtes-vous sûr ? Et s'ils ne prennent pas contact, colonel, il faut m'en dire plus. Capitaine Stevens, cette mission est en fluctuation. Nous sommes en opération et la situation change à chaque minute. Il est inutile de m'expliquer ce qu'est une opération de combat, colonel. J'ai fait le Vietnam comme Navy SEAL. Je ne voulais pas vous manquer de respect. Loin de moi cette pensée, colonel. Mais j'ai un avion abattu et deux pilotes dont je suis responsable perdus quelque part en Amérique centrale. Des rapports de situation doivent sortir de votre QG ou vous aurez des problèmes avec le haut commandement, colonel. Suis-je clair ? Regarde-moi ça. Ah!
n'avais jamais tué un homme comme ça. Tu t'en remettras, mon pote. Allez, faut pas traîner ici. Hey, Reb! Regardez ça! Épatant! On va pouvoir s'amuser avec ça, allez! Il n'y a aucun signe du furtif à l'aérodrome. Attendons qu'il vienne à nous. Voilà notre plus bel appât. C'est lui. Alors, on y va. Vous l'avez vu? Ouais. Cheech, tu connais la musique, tu poses tes pétards, on attend le signal. Quel signal? Dès que tu entends le Big Bang? Allons chercher le matériel. Ça t'arrive d'allumer ça? Mais t'es malade, le tabac, ça tue. Allons-y. Je n'y a pas à mourir, moi. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le plus vieux piège du monde. Ouais, mais je vais quand même m'arrêter. N'en fais pas ça, tu vois bien que c'est un piège! Salte del camión. Stupido, vamos! Bravo, Reb. Et alors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Lui rouler dessus? Vamos, ahora, pa' fuera. Donnons-lui de quoi passer le temps, hein? Signal de Cheech, on ne bouge pas avant. Ça vous amuse de voir ça? Faites ce que vous voulez, moi j'y vais. Ne me tente pas. J'ai dit, on attend. C'est fait. Quand tu veux. Oui, capitaine. Go! Ah!
crois qu'il était temps qu'on arrive. Attention! Allez, les gars! Attention! Je m'attendais à tout sauf à une attaque aussi brutale. Vous vous attendiez à quoi? Vous avez affaire aux Rangers! Maniez-vous! Prenez des hommes et tout de suite et ramenez-les-moi! Compris! Qu'est-ce qui se passe, capitaine? On ne sait plus où se trouve l'avion? Nous ne retournons pas à l'avion. Pour l'instant. J'ai encore deux hommes dans la nature. Ils ont pu passer à côté de nous et aller directement à l'avion? Excuse-moi de te dire ça, mais j'aimerais vraiment me tirer d'ici. Nous allons partir, Riff. Mais il faudra patienter un peu. Murph! Camion! Dégagez de là! Eh bien, Reb et Randall. Tu crois? Ouais. Capitaine, ça fait plaisir de vous revoir tous. Je savais bien que t'étais pas mort, espèce de pecno. Tant que t'essayes pas de m'embrasser sur la bouche, content de te revoir, vieux. Et ça là-bas, c'est quoi? Elle faisait du stop. Maria. Vos camarades ont dit que vous alliez nous aider. Oui, absolument. Bien sûr. Justement, on a du temps à perdre. Ta gueule, Hollywood. À table, les gars. Attrape. Crackers pour toi. Ragoût de bœuf. Georges, du riz au poulet. Merci, mon grand. Finis ta bouffe, soldat. Comment va Riff? C'est surprenant, il va très bien. Seulement, il y a ses plaies au poignet. Il y a un risque d'infection. Il faudrait qu'il parte d'ici. Le climat n'est pas très bon pour lui. Ni pour personne, d'ailleurs. Pas vrai, Doc? Arrête de geindre, Riff. Dès que t'auras fini de bouffer, je te remets au boulot. On profite de son rang? Mon seul privilège. Dès qu'il bouge, on y va. Passe le mot. Il se cache dans les collines. Depuis un an.
Ils vivent dans la terreur sous la menace de Salvatore et de ses hommes. Le petit, là, il s'appelle Georges. C'est son fils. Un drôle de petit dur. Je crois qu'il t'a pris en sympathie. Il est mignon, ce gosse. Mais il est pas très bavard. Ça, non. J'en ai parlé à Doc, justement. Il dit qu'il souffre d'un syndrome post-traumatique. Il semble que le mari de Maria était le chef de la résistance locale. Salvatore a fait torturer Maria pour savoir où il était, mais aussi, elle a dû subir beaucoup d'autres choses. Alors, pour protéger sa mère, George a dû donner son père. Et il n'a plus parlé depuis. Trop de façons de grandir. Ouais. Croyez plus en votre pays. Vous n'êtes pas la seule. Où sont les autres villageois? Ceux qui sont restés travaillent pour Salvatore, dans son usine sur la base. Les autres se sont enfuis dans les collines. Donc ce gosse et quelques armes, c'est tout ce que vous avez pour vous battre? Oui, c'est tout ce que j'ai, Capitaine Murph. C'est tout ce que j'ai. Et il y a vous, si vous le voulez. Nous devons mettre Salvatore hors d'état de nuire. Mais pour ça, il faut que nous retrouvions notre avion. Vous pouvez nous aider. Si vous le faites, vous vous libérerez, vous et votre peuple, de ce monstre. Qu'est-ce que vous en dites? Vous avez en vous tellement de colère. C'est parce que je suis déjà venu par ici. Vous voulez Salvatore? Très bien, nous vous aiderons. Si vous le tuez. Ça, je vous en fais la promesse. Randall et va chercher le camion, on y va. Et à toi, soldat. Les voilà. Réveillez-vous, les gars. Allons-y. Thank you.
lâchez de la main, vous. Besoin d'un médecin. Qu'est-ce que je fais, capitaine? Je préfère ça. Je suis sincèrement désolé, mais quand on traite avec des prisonniers de guerre, il faut assumer une éventuelle trahison. T'as pas le droit de faire ça. Je l'ai fait. Ils m'ont payé pour ça. On a risqué nos vies pour ramener ton sale cul de traître. Écoute, Salvatore savait que vous reviendriez me chercher. J'étais là-bas. Il paie très bien, peut-être qu'il y en aura pour toi. Ça suffit! On a fini de jouer, Murph. Je vais te tuer, Riff. Quoi qu'il arrive, tu mourras. Morgan, on y va. Emmenez-les! George! George! Doc! Il a été touché. Ça va aller, c'est trop très grave. S'il vous plaît, aidez-nous, par favor. Tenez ça en place. Murph a gagné du temps. Hé, hey, Doc. Il vous reste des bandages? Attrape. Merci. Ça va aller? Oui, je vais lui poser ça et ça devrait suffire. Mi Georgesito! Mi amor Georgesito! Vous n'avez pas trouvé l'avion? On le trouvera. Je l'espère bien, ou vous n'aurez plus la protection de notre gouvernement si vous ne faites pas preuve de bonne volonté. Avez-vous seulement une idée du nombre de traités que les Américains ont violés en survolant notre espace aérien? Comment pourraient-ils justifier la présence d'un furtif sur votre territoire sans causer un différend avec leurs alliés nord-américains? Ne vous inquiétez pas, colonel. Vous l'aurez, votre jouet. Si vous voulez bien m'excuser, j'attends un appel des plus importants. Aucune nouvelle de l'équipe au sol. Où est la ligne sécurisée? L'appareil de brouillage est dans le car. Et ses poignets? Encore très douloureux. Si vous voulez mon avis, Morgan a fait un peu trop de zèle. Oui, c'est absurde. La ligne est sécurisée.
Donnez-moi des nouvelles, où en êtes-vous? Il apparaît qu'ils n'ont pas atterri à l'endroit prévu. Peut-être que vos satellites peuvent le repérer. C'est un petit pays, vous savez. Ce n'est pas si facile. Je n'ai pas de satellite en position, et il est trop tard pour un repérage de traces thermiques. Réfléchissez. Combien y a-t-il de terrains d'atterrissage dans ce pays? Bien plus que vous ne l'imaginez. Nous avons des membres de l'équipage. Peut-être aurons-nous des réponses à nos questions. Quoi qu'il arrive, dès que vous saurez ce que vous voulez, liquidez-les. Allons voir nos invités. USS Okla en ligne, colonel. Merci. Allô, capitaine Stevens? Heureux de vous entendre. Avez-vous des nouvelles de votre équipe, colonel? Ils sont en phase de silence radio, capitaine. C'est une procédure tout à fait normale dans ce genre d'infiltration. Colonel, ils sont au sol depuis plus de 24 heures. Je ne veux pas débattre de tactique militaire avec vous, mais avouez qu'on ne peut pas appeler ça une action rapide. J'aimerais envoyer un avion de reconnaissance sur la zone pour leur donner un peu de renfort. Je ne veux pas risquer un autre appareil tant que je n'aurai pas eu Murph. Je connais parfaitement cette équipe. Je suggère de les laisser faire leur travail jusqu'à la fin de leur mission. Je vous tiendrai informé. Ticho, ça va? Je peux encore te botter le cul, lieutenant. On dirait que Riff a dégusté. Et lui, ça va? Ça devrait aller. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? Eh bien, je crois que ces gens comptent sur nous pour leur venir en aide. Vous feriez ça? Vous devez d'abord récupérer vos amis. N'est-ce pas? Et que ferait Murph dans cette situation? C'est à toi de répondre, lieutenant. La question est, qu'est-ce que toi, tu vas faire? Je voudrais vous faire comprendre la situation complètement absurde dans laquelle vous vous trouvez. Capitaine Murphy, vous êtes la seule personne qui m'ayez affronté sans répit. Et je respecte cela. Nous sommes faits de la même étoffe, vous et moi. Chacun de nous croit au bien fondé de ce qu'il fait. Vous êtes loyal envers votre pays, et de mon côté, je le suis envers le négoce du mien. Et comme vous, je fais du mal à ceux qui me veulent du mal. Je crois que je préfère la torture que d'entendre tes conneries, Salvatore. Ouais. Si vous nous donniez plutôt le programme des festivités. Non, pas de torture. Nous sommes des gens civilisés qui faisons du commerce. Vous savez, votre supérieur, le colonel Reynolds, il trahit votre pays depuis une dizaine d'années. Vente d'armes, secrets industriels, drogue. Et maintenant... Il a inventé cette mission de sauvetage afin que vous apportiez à Salvatore le furtif sur un plateau. Bien sûr, avec à la clé une jolie somme d'argent. Et toi dans tout ça? Monsieur Rifkin lui a été très précieux. Nous dirons qu'il a trouvé dans le secteur privé de meilleures opportunités de carrière. D'accord, j'en ai assez entendu. Quel est le marché, Salvatore? Vous nous dites où est l'avion furtif? Et je vous permets de quitter le pays sain et sauf. Et je vous donne même Reynolds. J'en ai assez de traiter avec lui. Et je n'ai aucune envie de lui offrir une retraite en or. Vous y gagnerez à la découverte de sa trahison. Peut-être une promotion. Je veux dire, qui se soucie de la disparition d'un avion furtif? Les États-Unis en ont à revendre, non? Mais je vous dis ça, vous décidez. Alors pensez-y. Je vous laisse 2 heures. Monsieur Rifkin, vous pouvez rester avec vos amis pour les persuader. Belle occasion de mériter votre salaire. C'est pour ça que tu as gagné tes galons, lieutenant? Pour trahir tes compagnons? Ce sang sur tes mains est très difficile de le laver, mon pote. Je dors parfaitement bien la nuit, Murph. Tu ne dormiras jamais tranquille, Rifkin, espèce d'enfoiré! Tu t'es toujours pris pour John Wayne, n'est-ce pas? Toi aussi.
Seigneur Salvatore, et si nous décidions de refuser votre généreuse offre? Vous mourrez. Comme votre ami. Très bien. D'après mes calculs, nous devrions... Encore 3 kilomètres. Suivez-moi. Et allons-y, qu'est-ce que vous attendez? Vous vouliez me voir? Oui. Je suis en train de penser à la CIA. Vous êtes inquiet? Non. Il y a un terrain d'atterrissage à 3 km de la frontière qui servait à embarquer la cocaïne. C'est l'endroit idéal pour y planquer le furtif. Je vais demander à Juarez de survoler cette région. S'il est là-bas, il te le fera savoir. Je vais faire préparer le camion. Qu'est-ce qu'on fait des prisonniers? Rifkin est toujours dans la baraque. Laisse-le s'en occuper. Ensuite, tu le tueras. Avec le plus grand plaisir. Quitte à me tirer dessus, Riff, t'aurais pas dû me rater. Calme, sergent. N'en faites pas trop, tout le monde serait alerté. Oui. Salvatore veut que tu t'occupes des prisonniers. Maintenant. J'y vais. Laisse-moi juste le temps d'enlever ça. Je ne supporte plus l'odeur de cette merde. Ils ont garé un camion à côté du baraquement. D'accord. Faut les sortir de là. Dégomme ci, dégomme ça. Je deviens trop vieux pour ce job. Murph, tu veux prendre ta revanche? Excellente idée. Prêt? Tu la vois, tu la vois plus. Un coup à gauche, un coup à droite. Alors, où elle est, mon gros? Ah, cette fois, tu m'auras pas. Tu crois que j'ai pas vu la combine? Oups. Tu veux essayer? Allez, on te porte au
Oye, apúrale. Me voy a morir de hambre. Ça va? Oui. Ok. Tu la vois? Il faut la trouver. Attention. Alors, où elle est, amigo? La primera. Si. Salut, les gars. Espèce d'ordure. Comment va ton bras, Chich? T'as pas une idée? Ok, Hollywood. On récupère Reb et Murph. Vous, vous restez dans le camion. Oh, mon Dieu. Allons-y. Ah. Je savais bien qu'il visait mieux que ça. Il est étonnant. L'autre. Perdu. Et ça? Encore perdu. Oups. Où est la pièce? Déjame verlo de adentro. Quoi? Je crois qu'il veut regarder à l'intérieur du gobelet. Tu veux voir à l'intérieur? Si, sube-la. D'accord. Alors, regarde-le bien, ok? Non, arrêtez, capitaine. Il est avec nous, Chich peut le confirmer. Je l'ai juste effleuré. Écoute, j'ai seulement fait ce qu'il fallait faire pour nous sauver tous, alors... Où est Randall? Il est mort. Ah bah, tu nous as bien eus. Allez, on y va. Allez, vas-y. Après toi, Riff. Allez, vite! Montez, les gars! Prends des hommes avec toi et suivez-les, je prends l'hélicoptère. Faut passer au village, récupérer Philippe, c'est le gosse. Si ça vous va, hein. Ça me va très bien, lieutenant. Ça va? Ça ira mieux. Une égratignure. C'est vraiment ballot. Ils vont pas tarder à arriver. Surveillez la route. Allez, on y va, les gars. Allez, mange-toi. Il nous reste peu de temps. Il faut rejoindre le camion. Comment va le gosse? Il a besoin d'un docteur. D'un vrai docteur. En fait, il a besoin d'une autre sorte de vie. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je suis content de ne pas avoir à me poser cette question. Ça lésine pas sur les moyens. Voilà qui nous sortent le grand jeu, ces salauds.
Chic, Chic, dégage, tendu. Tire-toi. Viens, viens, ta fille de pute. Chic. Colonel, notre satellite de reconnaissance vient de détecter une activité dans la zone ciblée. Je demande la permission d'envoyer un support aéroporté. Permission refusée. Dois-je vous rappeler que j'ai l'approbation du haut commandement? Alors écoutez, nous ne savons rien et n'avons rien vu. Nous ignorons toute cette opération. Nous n'avons envoyé aucune troupe à San Cedros. Est-ce que c'est clair? Vous croyez qu'ils y arriveront? Possible. Si le capitaine Stevens aidait le capitaine Murphy, ensemble, ils pourraient mettre fin aux opérations de Salvatore, non? Quartier maître, mettez les 207 et 209 en attente pour une reconnaissance de routine. Je m'en occupe, capitaine. On a repéré le furtif sur un aérodrome. Route 603, je me rends sur place. Envoyez des avions sur cette putain de zone. Mind-toi, Hollywood! Murph, prenez mon fils et emmenez-le avec vous. Il sera plus heureux. Mais vous allez partir tous les deux avec nous. Non. Je veux me battre avec mon peuple. Je vous en prie, promettez-moi. Maria, vous allez venir avec moi. Putain, tu vas te faire le cul, dégage de là! Philippe, prends le gosse! Ne crains rien. Tu es avec moi. On met les gaz, lieutenant! Tout le monde à bord.
Ok, on y va. Espérons qu'on ait assez de pistes pour décoller. Tu passes pour être un génie avec cet appareil, lieutenant. C'est le moment de le prouver. Ah, si vous le dites. Maintenant. Attention, on s'accroche. L'avion furtif a décollé. Alors qu'est-ce que vous attendez? Descendez-le! Je répète, descendez-le! À repérer des avions ennemis au-dessus de San Cedros et nous avons la signature thermique d'un avion furtif. Très bien, faites décoller les 207 et 209 immédiatement, messieurs. La Navy prend la relève. Vous vous démerdez, tout ce que je vous demande, c'est de descendre ce putain d'avion! J'ai besoin d'aide. Pour les missiles air-sol, mettez le casque de visée. Vous allez jouer au bombardier. La grille est allumée. Ajustez la mise au point à votre vue. Quand la cible est accrochée, tirez. Comme un jeu vidéo. Accrochez-vous. On descend à 2000 pieds. C'est votre chance, capitaine. Contact cible. Détruite, Hollywood. Ah, on a de la compagnie. Missile droit sur nous. Je largue les leurs. Ça ne fonctionne pas. Nous avons reçu des éclats. Accrochez-vous. Il est toujours derrière nous. Il faut que je me dégage. Navy, un furtif. Besoin d'un coup de main? Arrive à point, matelot. Vous avez un chasseur qui vous colle au cul. On s'en occupe. Derrière toi, 209. Ok, je me dégage.
Je vire et t'engage ce fumier. Virage dans 3, 2, 1. Virage. Bon boulot, 209. Je l'accroche au radar. C'est tout bon, je me le fais. Il est tiré. Autre cible en approche. Pas question, celui-là, vous me le laissez. Envoyer. Avec les compliments du capitaine Stevens, vous pouvez le remercier. Je le ferai. Bien, on doit vous lâcher ici, furtif. Bonne chance, les gars. Ok, 209. Capitaine Stevens, merci pour le coup de main. Toujours heureux d'aider, soldat. C'est mon petit cadeau au gars de la compagnie C. L'ennemi a été neutralisé, capitaine. Mission accomplie. Pas tout à fait. Dépêche-toi, on part dans une heure. Voilà notre cible. J'enclenche le missile. Ici l'air sol enclenché. Ave Maria. C'est la fin, mi amor. Cible accrochée. C'est fini. Dégagé. Très bon tir. Demande permission de rentrer à la maison. Permission accordée, lieutenant. On rentre au bercail. Pourquoi n'êtes-vous pas en grand uniforme, Murphy? La presse sera là dans 10 minutes. C'est un grand jour pour les Rangers de la compagnie C. Salvatore m'a tout dit. Vraiment? Vous allez filer d'où, Murphy? Vous allez jouer dans la cour des grands, maintenant. Je viens juste de recevoir votre promotion au grade de colonel. Je l'annoncerai au cours de la conférence de presse. Vous serez avec moi à vous la couler douce et à faire de la lèche pendant que je vous accrocherai vos galons. Je serai pas là. Pas plus que Chicho, Riff, Reb ou Randall. Ni vous d'ailleurs. Et alors, que cherchez-vous, Murphy? Les témoins sont tous morts. Sauf vous et moi, colonel. Capitaine? Nous sommes à vos ordres. J'ai fait une déposition au renseignement militaire cet après-midi. Nos services de renseignement faisaient une enquête sur vous depuis plusieurs mois. J'ai été placé dans votre service afin d'instruire ce dossier. Comme je l'ai dit à Riff, c'est le sang des Rangers sur vos mains. C'est difficile à laver. Thank you.
Thank you.